Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Asphalt. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est parler au personnage Asphalt pour déclencher la série de défis. Donc là c'est ce que je vais faire, donc je me rends à Bonnet Burst parce que Asphalt il se trouve juste là. Donc je me rends à Bonnet Burst et je parle au personnage Asphalt et j'accepte les quêtes. Donc voilà, maintenant que j'ai accepté la quête, j'ai une série de 5 défis qui sont enclenchés. Maintenant ce que je vais devoir faire comme premier défi, c'est de ravitailler un véhicule. Alors tout simplement, je vais chercher après un véhicule. Par contre, là, il y a quelqu'un qui me tire dessus. C'est pas bon pour moi, ça. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Donc là, je vais chercher un véhicule et puis après, je vais le ravitailler en essence. Ok, donc j'ai trouvé un véhicule. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les pneus que vous voyez là. Je vais quand même garder le bandage au cas où. Vous prenez les pneus et là, bien souvent, soit c'est ici ou soit c'est là. Mais il y a toujours un véhicule sans pneus. Donc là, ce que vous faites, ben, c'est que vous lui lancez des pneus. Ensuite, vous prenez le contrôle du véhicule et là, vous allez vous diriger vers la pompe à essence qui ne passe pas, ah ouais, carrément, pour lui injecter de l'essence. Ah, évidemment, on va casser le toit pour que je puisse passer. Voilà, bon, j'ai plus que 3 roues par contre. Voilà, là, ça devrait être bon. Hop, vous prenez le pistolet à essence et vous le remplissez de 20% de carburant. Voilà, quand vous avez complété ce défi, le deuxième défi va vous demander de parcourir une distance en véhicule. Donc c'est ce que je vais faire, je vais reprendre ce véhicule là même s'il lui manque une roue et je vais parcourir une distance de 500 mètres pour valider le défi. Et je vais me diriger vers Pleasant Park pour le prochain défi en même temps. Comme ça, ben, je vais faire une paire de coups. Alors je vais changer de véhicule par contre, hop. Voilà, je suis à 450 mètres, j'ai bientôt terminé le défi. Donc on va attendre encore un petit peu. Normalement ça devrait s'afficher dans pas longtemps. Voilà, j'ai terminé le défi. Alors le troisième défi va vous demander de détruire des boîtes aux lettres avec un véhicule. Donc vous prenez votre véhicule et là vous détruisez les boîtes aux lettres que vous voyez en face des maisons. Donc là par exemple il y a une boîte aux lettres, je la détruis. Donc ça fait déjà une sur trois. Là il y en a une deuxième, je la détruis aussi. Boum. Voilà, et il y a une troisième et une quatrième boîte aux lettres qui se trouve là-bas, là où il y a justement l'ennemi qui me tirait dessus. Donc là, juste en face, il y a une boîte aux lettres à côté de l'arbre. Je la chope, comme ça je termine le troisième défi. Alors maintenant, le quatrième défi est de rester en l'air avec un véhicule. Ben là, en fait, il va falloir trouver une petite montagne, donc par exemple cette petite montagne-là, et je vais faire en sorte de sauter. Donc là, la petite montagne-là, ça devrait être suffisant. Je vais juste prendre un peu d'élan. Donc, je vais faire un petit demi-tour juste ici et normalement ça devrait le faire. En plus j'ai presque plus d'essence. Donc allez, let's go. Normalement ça devrait le faire. Je prends le haut de la montagne. Ah, ça n'a pas fonctionné. Donc on va monter sur une autre montagne un peu plus grande. Donc justement là où il y a les tours gardiennes, là c'est sûr ça devrait fonctionner. Évidemment il y a un ennemi. Et le problème c'est qu'il faut absolument que j'aille assez de vitesse pour prendre la montagne, pour sauter. On va voir si ça fonctionne. Ah bah là j'ai réussi en fait. Voilà, et là aussi, ben là, largement, j'aurais resté plus de 2 secondes en l'air. Alors, le quatrième défi est terminé. Maintenant, on va passer au cinquième défi, qui est d'interagir avec une voiture renversée pour la retourner. Donc là, ce que vous allez faire, c'est trouver une voiture. Donc voilà, là, justement, il y a une voiture. On va la prendre, on va aller se mettre dans un petit coin où il y a moins de monde, pour pas que je me fasse tuer. Donc là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de monde, ça devrait être bon. Ce qu'il vous faudra, c'est du matériau, des matériaux, donc vous créez un escalier, une rampe. Ensuite, vous modifiez la rampe. Vous créez un escalier comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez votre véhicule. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez aller tout doucement comme ceci. Et vous allez retourner la voiture comme ça. Vous montez. Hop. Là, j'ai raté. On va recommencer. Voilà. Le but, c'est de monter avec deux roues sur la rampe. De faire en sorte de la renverser. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Comme ceci. Vous mettez bien au bord de la rampe et ensuite vous la renversez et là vous la retournez pour valider le défi. Donc voilà qui termine le guide complet des défis du personnage
asphalte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.